Alors, Milano Tréma débute sur une longue séquence montrant l'évasion de malfrats lors de leur transport en train d'un pénitencier à un autre, l'on imagine. Éthiquement et visuellement violente, cette séquence est ponctuée par la discussion en voiture d'un père et sa fille sur le chemin de l'école. Ils sont arrêtés abruptement par les malfrats qui, ni une ni deux, zigouillent le père sous les yeux de la fillette. Et une fois en voiture, la fillette devient l'otage, malgré elle, des malfrats dans leur cavale. La bande-son sature alors avec les cris et les pleurs de la fillette. Le plus malfrat des deux individus invective l'autre en lui ordonnant de la faire taire. Et donc celui-ci, un peu réticent, finit par mettre la fille en joue. Cut. C'est à cet instant que nous découvrons le protagoniste principal du film, qui est l'inspecteur de police Canepao. Alors, aujourd'hui, le corps au cinéma, c'est un corps plutôt meurtri, déréalisé à l'extrême, sujet à de grandes rhétoriques, hein, de Saw à Michael Haneke, de Hostel à Lars von Trier. Et voilà, à ce moment-là dans le film, à cette époque, le cadavre donc d'une écolière qui, elle, nous est présentée d'abord par son cartable jaune ensanglanté. Ce que nous allons comprendre une heure et demie plus tard, c'est que ce corps qui se dérobe à notre regard, ce cadavre qu'on aperçoit, c'est d'abord celui d'un corps politique, avant de s'affirmer dans le folklore cinématographique italien des années 70, comme un corps poétique d'un genre tout entier. Je m'explique. Milano Tréma, dans le titre original, Milano Tréma, la polizia vuole giustizia. Mais non, c'est Milano Tréma, la polizia vuole la giustizia. Voilà, dans la version originale. Voilà. Ou La rue de la violence, chez nous, donc réalisé par Sergio Martino en 73, fait partie de la vague des néopolars italiens censés reproduire, à moindre coût, des succès américains du moment. Ces néopolars, donc, appelés poliziotteci, font suite à une autre apogée de genre, le bien-aimé giallo, dont Martino fut l'un des artisans d'ailleurs, moins connu, c'est vrai, que les Bava, les Lenzi, les Fulci ou les Argento. Lorsque Martino réalise Milano Tréma, il a deux projets. Faire un film sur l'Italie qui lui est contemporaine, à savoir l'Italie des années de plomb, hein, faite d'assassinats, d'enlèvements crapuleux, de truands révolutionnaires, etc. Mais aussi faire un remake qu'on lui commande à ce moment-là de Dirty Harry de Don Siegel, L'inspecteur Harry chez nous, avec Clint Eastwood, sorti deux ans auparavant en 1971. De quoi est-il question donc dans Milano Tréma, à savoir un inspecteur de police, las, fatigué de la violence, donc la violence illégitime, hein, à laquelle toute la société italienne est alors confrontée, la violence ordinaire, pourrait-on dire, qui va se forger un caractère, une politique, des opinions, une réputation d'ailleurs sulfureuse, en espérant imposer cette vision d'une justice expéditive, un peu fascisante. On est en Italie, le terme n'est pas gratuit. D'ailleurs, l'interprète, qui est l'incarnation parfaite du beau mâle latin, qui est à l'opposé du physique carré et baroudeur de Clint Eastwood, à se demander d'ailleurs s'il n'est pas ici dans un contre-emploi avec l'objectif initial qui était d'en faire un policier qui serait du même calibre que les malfrats en face de lui, une espèce de réplique sociétale légitime de la justice contre ce qu'elle est censément combattre. Alors en gros, qu'est-ce que ce beau gosse, ce mannequin de magazine en gros, vient faire dans le rôle d'un inspecteur Harry? Alors ce décalage, Martino va nous l'opposer directement à notre attente, immédiatement dans la séquence d'introduction d'ailleurs. D'emblée, l'inspecteur nous est présenté par le prisme d'un cadavre, qui est le cadavre donc de cette jeune écolière. Il est bouleversé par cette découverte, l'impuissance et l'injustice du fait. Et Canepao canalise à ce moment-là l'essentiel des réactions que les spectateurs vont avoir à ce moment-là. C'est-à-dire faire justice, réparer cette faute, éradiquer la violence et ceux qui en sont les commanditaires, etc. En deux plans subjectifs, sur le cartable jaune ensanglanté, en resserrant d'ailleurs sur le sujet à l'image, Canepao fixe les attentes, cadenasse pour de bon la mission pour laquelle le spectateur le mandate.
aussitôt à la chasse des deux malfrats. Il les descend de façon un peu ambiguë d'ailleurs, parce que ces deux-là étaient piégés et qu'ils étaient en train de se rendre. Voilà, c'en est fait de la présentation de Canéparo. Nous sommes à 10 minutes de film et nous ne savons rien d'autre de lui que ce que l'on vient de voir. C'est en assassinant les malfrats, en retournant leur violence contre eux de façon illégitime, que Canéparo est présenté aux spectateurs du film. Alors, face à son commissaire en chef, qui n'approuve pas l'attitude de son inspecteur, mais éprouve d'ailleurs à son égard une sorte de sympathie, il se verra imposer une gentille petite sanction, histoire de dire, d'officialiser aux yeux de la société une faute avouée à demi-pardonnée. Le commissaire, lui, oppose sa propre quête, qui est de faire tomber les gros bonnets. Alors, ceux qui dirigent dans l'ombre les malfrats, les anarchistes, les violents, ceux qui sont protégés par une sorte de carapace dorée, quoi, hein, dorée par l'argent ou par le pouvoir public. Apparemment, le commissaire en question est aux portes de la retraite et il explique que ça fait un moment qu'il travaille sur une affaire et que, avant de partir, il semble vouloir démonter une imposture avec une résolution apparemment toute proche, et qu'il est possible donc, il veut démontrer qu'il est possible de rester dans le droit chemin, c'est-à-dire le strict espace de la justice, tout en obtenant des résultats contre ceux qui pervertissent donc le système, la société. Dans une boutade un peu enlevée, l'inspecteur Canéparo lui rétorque « Je ne sais pas si vous êtes un pauvre fou ou un héros, mais vous êtes un justicier modèle. En tout cas, modèle pour ce pays. » Le commissaire prend congé de l'inspecteur, sort dans la rue, rentre chez lui, mais sur le chemin est assassiné lâchement, abattu en pleine rue, en plein jour, au beau milieu des gens. Voilà, dès lors, la vraie intrigue de Milano Tréma, trouver les coupables, remonter jusqu'à eux, et leur faire payer le meurtre, faire vengeance, hein, non pas le meurtre d'un commissaire, hein, et surtout du symbole même de la justice qui est représentée, de la société, donc... de l'état de droit. Alors, pour ce faire, Canéparo va utiliser à peu près les mêmes armes que le pauvre prêtre qu'il y avait dans El Dia de la Bestia, hein, le genre de la bête de l'ex de la Iglesia, dans lequel un prêtre donc était persuadé d'avoir décrypté un message secret dans les évangiles, et annonçant l'arrivée de l'Antéchrist sur Terre, hein, pour la veille de l'an 2000, si je me souviens. Et alors que les autorités du clergé elles-mêmes s'opposaient à sa découverte, celui-ci, le prêtre, décidait de tout faire pour retrouver l'enfant du mal, à temps du moins pour le combattre, et pour ce faire, décidait donc de renier tout ce qu'il a professé, épousé comme conviction, en péchant partout le plus possible, du mieux qu'il peut, afin de se retrouver dans les bonnes grâces du mal, et être présent le jour où l'Antéchrist naîtra. Un espion, en somme, une sorte de Matahari, là, en l'occurrence, cléricale. Alors, pour Milano Tréma, la quête est à peu près semblable, blasée par son nouveau commissaire, donc, et par les instances même de la justice qui semblent pas vouloir faire avancer l'affaire outre mesure de l'assassinat, enfin, du meurtre, en tout cas, de leur haut représentant. Canéparo, donc, il va s'infiltrer directement, et terriblement, hein, dans le milieu de la pègre, du banditisme, alors, parquage de banque, jusqu'aux mauvaises mœurs, hein, racket, et même proxénétisme. Il abandonne toute morale pour se rapprocher au plus près de ce qu'il a combattu en vain toute sa vie. Ce qu'il va découvrir lorsqu'il va démasquer l'origine du mal, cela en dit long sur ce que le film peut raconter de l'Italie, de la vie politique qui lui est contemporaine au moment de sa sortie. C'est un témoignage à peine déguisé, en direct, hein, de ces fameuses années de plomb. Alors, ce cadavre de la jeune fillette, l'écolière, hein, qu'il y a au début du film, alors c'est l'incarnation d'une génération, celle supposée se substituer à la génération au pouvoir à ce moment-là, c'est l'incarnation d'un idéal en route vers l'école, et qui serait devenue, à la base d'une éducation réaliste, la génération qui aurait mis fin à l'injustice et à l'illégitime. C'est cette promesse d'un renouveau qui est assassinée. C'est un corps d'abord politique, mais il est aussi poétique, puisque ce chemin, cette route vers l'école, est symbolisé donc par la couleur jaune du cartable, littéralement le giallo, et qui en dit un peu plus sur le rôle que Martino veut faire jouer au médium cinématographique à travers Milano Tréma.
Milano Tréma, le film, s'apparente un peu à un mode d'emploi. C'est une catharsis, c'est un véhicule qui agit sur les spectateurs comme une prise de conscience. Ça les fait se questionner, s'interroger de façon indirecte, hein, mais de façon terrible, sur leur place et la responsabilité que chacun entretient dans la vie morale et sociétale de l'Italie d'alors. Ce jaune, ce giallo, cette résurgence, c'est vraiment une façon d'exprimer le rôle qu'a pu jouer cette cinématographie-là, à ce moment précis, sur cette jeune génération émergente. C'est un acte politique, donc, poétique, moral presque, mais c'est surtout un acte purement cinématographique, qui exprime avec force et en un seul plan, quel est le pouvoir du cinéma, le rôle peut-être, sur les consciences et sur la société. On dit souvent que le cinéma est un miroir du monde, qui reflète le monde, en témoigne fidèlement, consciemment et malgré lui. Et si c'est le cas, lorsqu'on regarde Milano Tréma, et même aujourd'hui, hein, en traversant les générations et les âges, force est de constater qu'on a vraiment une sale gueule. Et beau retournement de situation, en effet, lorsqu'on regarde le beau gosse qui incarne Canetaro. Alors, petit post-scriptum. Je vous conseille 1 milliard de fois de regarder Milano Tréma pour ce qu'il raconte de l'Italie d'alors, plutôt que cette infâme et insignifiante boursouflure qui est Romanza criminelle et qui ferait passer Mussolini pour quelqu'un de sympathique, hein, et charismatique. Si Milano Tréma avait pour prétexte de rejouer l'inspecteur Harry, alors Romanzo criminale essaye lui à son tour de refaire les films de Scorsese époque De Niro Joe Pesci, voulant rendre les gangsters cool malgré l'horreur qu'ils suscitent. Après tout, et vu la faiblesse, j'allais dire, du cinéma contemporain occidental à être poétique et politique, Romanzo criminale sous ses aspects de défilé de mode et son esthétique de pub de parfum de luxe, n'a finalement que les modèles qu'il mérite.